bénis. Nous allons incliner notre tête. Donc, recommander. Le Seigneur puisse nous assister. Le Seigneur puisse nous parler ce soir. Parce que c'est le véritable enseignant de notre alliance. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, oh Dieu. Que le Seigneur puisse utiliser puissamment le prédicateur de ce soir. Seigneur, nous ne sommes rien, oh Dieu. Seigneur, nous venons devant de toi, Jésus. Oh Jésus-Christ, Seigneur. Et mon Dieu, mon roi, oh Jésus. Jésus-Christ. Pour que les
Les chrétiens restent fermes dans la foi.
reste ferme dans l'amour. Il est fidèle. Il ne nous abandonnera pas. C'est lui qui nous dit en avant. C'est lui le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et je vous dis, oui, la victoire est sûre. Oui, la victoire est certaine. Ne relâchez pas. Ne relâchez pas. Sois ferme. Parce que le prévôt a son terme. Lui te donne la victoire. Lui a fermé ta foi. Même si tu peux voir dans le monde, le péché est en train d'accroître. Sois sûr. Tu n'es pas tenté parmi ceux-là qui vont embrasser cette vie. C'est le Seigneur qui te garde. C'est le Seigneur qui te fait saint. C'est lui qui nous a appelés à la sanctification. Il nous a appelés à la sainteté. Il accomplira parfaitement cette œuvre-là en toi. Quand tu n'es pas appelé à ça, quand tu es appelé à la vie éternelle, la victoire est sûre dans ta vie. Parce que la nuit est avancée, le jour approche. Il faut faire, il faut travailler. Il faut avoir la foi. Il faut marcher dans la lumière. Lentement. Il faut marcher dans la lumière. Parce que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur te soutient. Même si tu peux voir de tous côtés t'envahir par l'homosexualité. La communauté des homosexuels. La communauté des gens qui changent, des filles qui deviennent des garçons et des garçons qui deviennent des filles. Et ils commencent à gagner du terrain dans le monde. Toi, tu ne seras pas comme eux. Toi, tu ne seras pas comme eux, frère. Même si tu te retrouves en Europe, même si tu te retrouves aux États-Unis, même si tu te retrouves dans les pays des droits de l'homme, quand tu es saint, tu garderas la sainteté comme Daniel à Babylone. Parce que tu es appelé à ça. Jésus a dit, ce qui arrivera du temps de l'autre arrivera aussi du temps du Fils de l'homme. Amen. Là qui le Fils de l'homme, son temps, c'est pas comme les temps de l'autre aussi. Pour les hommes se marier entre eux. Les hommes commettaient des infamies, des choses abominables. Mais l'autre, lui, avait gardé la justice. Et si ce temps du Fils de l'homme sera comme les temps de l'autre, c'est-à-dire dans ce temps ici, il y aura aussi des justes semblables à l'autre. Et je crois que toi, tu seras comme l'autre. Tu ne seras pas emporté dans les mal. Il était juste. Et dans sa maison, il y avait aussi des pains sans levain. Il y avait aussi de la virginité, même des corps comme ça chez ses filles. Mais c'était dans Sodome. C'était dans Sodome. Mais il gardait la pureté. Il gardait la sanctification. Jusqu'à la fin. Et ce jour-là, il fut sauvé pour qu'il ne puisse pas être brûlé. Et l'évangile que nous vous prêchons. Je dis, et l'évangile que nous vous prêchons, c'est pour vous faire des justes, pour échapper à la colère envoyée. Vous soyez incertain, tel que vous écoutez cette parole, le Seigneur ne vous a pas destiné au feu éternel. Le Seigneur ne vous a pas destiné à la perdition. Il vous a destiné à acquérir la vie par Jésus-Christ. C'est pourquoi même vous êtes ici ce soir. Pour qu'on puisse vous enseigner. Lui le véritable enseignant de notre alliance. Si lui le Seigneur t'enseigne,
Il va te montrer le chemin, comment fuir la corruption qui règne dans le monde. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ te fortifie. Le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Nous allons nous lever pour faire la lecture de notre texte. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 11. Nous demandons vraiment votre attention. À la grâce du Seigneur, nous allons parler un tout petit peu. Et puis nous allons prier. Je lis le verset 1er jusqu'au verset 16 au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 11. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. J'ai voulu de ce que vous vous souvenez de moi en tout et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Et que l'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui parle ou qui prophétise, tête couverte, déshonore son chef. Toute femme, moi, au contraire, qui prie ou qui prophétise, tête non voilée, déshonore son chef. Comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, elle se coupe aussi le cheveu. Or, si il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés, ça c'est coupé. Tout qui m'a gâté, ou d'être rasé, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, parce qu'il est l'image et la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme. Mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme. Mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme. Ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas qu'il est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme gloire. Si quelqu'un se plaît à contester, ce qui est mon tout le monde, à cause de ces pays-là, s'il vous plaît, à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. Nous pouvons nous rasseoir et nous ajoutons l'écriture d'Ésaïe chapitre 3.
Esaïe chapitre 3, le verset 15. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le verset 16. L'Éternel dit, Yahweh a lobby. Parce que les filles de Sion sont orgueilleuses, et qu'elles marchent le cou tendu, et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas, et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles des Sions. Des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. Que le Seigneur bénisse la lecture que nous venons de faire. Que le Seigneur ajoute l'explication à cette lecture. Nous disons encore une fois que nous sommes des gens heureux. Parce que le Seigneur a permis que nous nous retrouvions au devant de lui. Parce que la personne heureuse, c'est celle qui écoute la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est plus que toutes choses. C'est notre bien le plus précieux. Le psalmiste disait, c'est mon souverain bien. Amen. C'est le bien le plus précieux que Dieu puisse faire à l'homme. La parole de Dieu. David disait, je me réjouis de ta parole. Comme si j'avais gagné un grand butin. Les butins, ce sont les résultats ou bien ceux qu'on gagne après la guerre. On dit la parole est plus que cela. Et la parole est plus que de l'or. La parole est plus que des objets précieux. Parce que c'est l'héritage des saints. C'est là où il y a le salut. C'est là où il y a la vie éternelle. Quand le Seigneur permet que tu écoutes la parole, c'est ce que l'Éternel t'a destiné pour la vie. Amen. Pourquoi ne vous laissez pas prendre par ces froids? Que les froids ne puissent pas t'amener dans le sommeil. Parce que le Seigneur a quelque chose à te communiquer ce soir. Le Seigneur a la vie à te communiquer ce soir. Pour que tu puisses lui plaire pour toujours. Parce que du jour au jour, il est en train de te perfectionner. Le Seigneur Jésus-Christ, celui qui le fait. Vous savez une chose, lorsqu'il est venu devant la tombe de Lazare, il a crié Lazare, sort. Lazare est sorti. Mais malgré que Lazare était sorti, il avait encore des langes sur lui. C'est pas encore un deuxième travail. Et délier les langes qui étaient dans le corps de Lazare. Afin qu'il puisse marcher. Oui. Je vous dis, frère, le cri de Jésus pour la résurrection de Lazare, c'est l'œuvre de la croix. C'est là qu'il nous a donné la vie. C'est pourquoi, lorsqu'il cria, mais ce qui restait, pour se délier Lazare. Délier, enlever les langes dans son corps, c'est fait par le ministère de la parole. Aujourd'hui, tu as pleinement la vie en Jésus-Christ. Tu es déjà ressuscité. Mais le ministère, c'est encore le travail de te délier. Et que tu parviennes à la perfection.
Le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Le Seigneur Jésus-Christ te soit fort. Le Seigneur Jésus-Christ fasse toujours que tu sois rattaché. Au nom de Jésus-Christ. Nous parlons sur les voies. Dans notre sous-terme sur la piété. Nous avons parlé sur la parure de la femme. J'ai une femme qui prie. Une femme qui sert le Seigneur. Elle ne peut pas avoir un extérieur de se parer avec des choses matérielles. Elle ne peut pas avoir une parure extérieure de vêtements somptueux, de bijoux, de mèches, de perles. Je crois qu'avec beaucoup des écritures, nous avons soutenu cet enseignement-là. Et je crois que cet enseignement-là demeure aussi dans ton cœur. Cet enseignement doit demeurer dans ton cœur pour la vie éternelle. Et cet enseignement ne doit pas seulement demeurer lorsque tu viens à l'église. Amen. Amen. Les bijoux, les mèches, toutes ces choses-là. Une femme qui a le Saint-Esprit, une femme qui est baptisée, ne doit pas avoir ces choses-là. Comme notre Saint-Grâce, tu es déjà baptisé. Tu ne dois plus avoir ces choses-là dans ton corps. Tu dois apprendre à vivre dans la simplicité. Amen. C'est comme ça que les femmes doivent demeurer dans le Seigneur. C'est la piété. C'est le respect des choses. Si on ne respecte pas ça dans l'église, si on ne met pas ça en pratique, on ne prie pas seulement par envie de
prier. Mais on adore Dieu en esprit et en vérité. Pour adorer le Seigneur, premièrement, il faut que le culte soit établi. Ce que Dieu veut. Alors les gens commenceront à adorer le Seigneur par rapport à ce que Dieu lui a demandé. Si ce n'est pas ça, vous serez en dehors de sa volonté. Amen. Et nous refusons que nous soyons en dehors de la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous observons toutes ces choses. Pourquoi nous parlons du voile? Parce que l'apôtre Paul dans la doctrine aussi a parlé du voile. Il commence en disant ceci. Je veux que vous sachiez une chose. Et que tout Christ est le chef de tout homme. Et que l'homme est le chef de la femme. Et Dieu est le chef de Christ. Donc, Dieu le chef de Christ. Ici, Christ est comme le Fils. Et Dieu comme le Père. J'avais déjà expliqué toutes ces choses-là. Parce que le Père est plus grand que le Fils. Amen. Donc, Dieu comme Fils. Il est petit comme Dieu comme Père. Il est petit par rapport à Dieu comme Père. Dieu est le chef de Christ. Christ fait la volonté de Dieu. Tout ce qui est écrit dans la loi, le psaume et le prophète. L'homme est le chef de l'homme est le chef de la femme. Alors on dit ceci. Tout homme qui prie ou qui prophétise, tête découverte, déshonore son chef. Son chef, c'est qui? C'est Christ. Amen. Le chef de l'homme, c'est Christ. Mais on dit une femme qui prie ou qui prophétise, tête non couverte, déshonore son chef. Qui est le chef de la femme? Le mari, l'homme, n'est-ce pas? C'est l'homme qui est le chef de la femme. On dit ceci. Si la femme prie sans être voilée, c'est comme si elle déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Si tu ne veux pas mettre le voile, consent à te raser toute la tête. C'est ça l'écriture. Okokola. Kovo. C'est ça. C'est comme si elle était rasée. Amen. Amen. On dit car si une femme n'est point voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Maintenant on comprend. Par rapport à cette langage, à cette parole, il y a deux choses vraiment. Deux choses différentes. Il y a les voix. Il y a aussi les cheveux. Parce qu'on dit, si elle ne se voile pas, elle se coupe aussi. C'est-à-dire il y a le voile, il y a aussi le cheveu. Il y a d'autres confessions qui disent que la chevelure de la femme, c'est le voile. Et pour cela, la femme ne doit pas se voiler. Oui, la chevelure de la femme, c'est le voile. Mais pas dans les cultes. Ici, il parle par rapport à la femme qui prie ou qui prophétise. Ça. C'est ce qu'on nous dit là-bas à la fin. Et si une femme n'est pas voilée, elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pourri les femmes d'avoir les cheveux.
cheveux coupés ou bien rasés, qu'elle se voit. Cela veut dire il y a les cheveux, il y a aussi les voix. Si tu ne vas pas te raser la tête, si tu ne vas pas te couper les cheveux, alors couvre-le par un voile. Amen.
Amen. Donc selon le Seigneur, une femme naturelle comme ça, si elle se coupe les cheveux, c'est une femme de la honte. Maintenant, pour couvrir sa honte, le Seigneur en la créant. Le jour de la création, le Seigneur lui donne les cheveux. C'est pour qu'elle ne soit pas chauve. Amen. On dit la chevelure lui a été donnée comme gloire. La chevelure lui a été donnée comme voile. Non comme voile au jour du culte, non. C'est-à-dire la création. Quand il formé Ève. Les choses. La chevelure lui a été donnée comme voile. Parce que c'est depuis la création là-bas. Maintenant, en se présentant devant le Seigneur, elle doit être voilée aussi par un autre. La chevelure, c'est la gloire. La gloire, c'est aussi un voile. Qui t'a pas la tête? Un vêtement et la main. Il y a aussi pas Bolumbu. Amen. C'est ce qu'on a lu dans Esaïe 3. On a dit ceci. Comme le Seigneur viendra les raser les cheveux, on a comparé ça à ôter les vêtements. Amen. Ça veut dire les vêtements sur la femme. C'était la même chose avec la chevelure. Amen. C'est ce qu'on dit dans Esaïe 3. Le Seigneur va raser la chevelure. Ce sera comme il ôte les vêtements afin que la nudité soit exposée. Pourquoi le Seigneur dit ça? Pourquoi le Seigneur le dit? Parce que le Seigneur, j'avais dit, il prend aussi un peuple comme ça, comme une femme. Et Dieu, il ne marche pas avec un peuple sans lui donner sa gloire. Et cette gloire-là, c'est tout un vêtement qui lui couvre. Amen. Quand il marche avec son peuple, il lui donne la gloire. Et cette gloire-là, c'est la chevelure. Cette gloire-là, c'est les vêtements pour couvrir la nudité. Maintenant, avec Israël, parce que le Seigneur voulait habiter aussi dans les temples, il a fait descendre sa gloire dans les temples que Salomon avait bâti. Pourquoi je suis allé là-bas? Parce que Paul, quand il prêchait ces choses, il avait ses voiles. Il ne se voile pas. Il n'avait pas l'écriture des 1 Corinthiens. Il n'avait pas l'écriture des Éphésiens. Il n'avait pas l'écriture des Hébreux. C'est nous qui avons tous ces écrits là avec nous. Mais lui, quand il prêchait ça, il prêchait ça avec la loi, les psaumes et les prophètes. Alors, il lui pose la question. Paul, où est-ce que tu as dit que la femme doit se voiler la tête? Comment les choses étaient. J'ai dit la gloire qui était descendue sur la montagne là. Du temps de Salomon, c'était comme toute une chevelure qu'on a donnée au peuple. Amen. C'était comme toute une chevelure qu'on a donnée au peuple. Mais qu'est-ce que vous allez remarquer? Cette gloire là était couverte par un voile. Et ces voiles-là, c'était les temples de Salomon. Parce que c'était les lieux du culte. La gloire doit rester voilée là-bas. C'est pourquoi tu dis, si la femme ne se couvre pas la tête, qu'elle se rase aussi les cheveux. Amen. Si la femme ne se voile pas, si elle, c'est comme si elle était rasée. Vous voyez ça? Ça veut dire quand il n'y a pas les voiles, ça veut dire qu'il n'y a pas non plus.
plus la gloire. C'est pourquoi quand Israël a péché, Dieu est venu avec le chérubin. Il a montré Ézéchiel le chérubin. Ils ont pris la gloire et ils sont partis avec. Maintenant, c'est comme s'il n'y a plus de cheveux. On doit enlever aussi les voiles. Amen. Tu sais qu'on a dit. Amen. Si elle ne se voile pas, qu'elle se rase aussi les cheveux. Si elle prie dans l'église comme ça, tête non voilée, cela veut dire qu'elle était rasée. Cela veut dire qu'il n'y a pas de cheveux. Les voiles aussi ne doivent pas être là. C'est pourquoi la gloire est enlevée. On a détruit les temples. Si les temples servaient des voiles. Amen. Amen. Les voiles qui avaient couvert cette gloire dans la lumière du culte de la maison. Parce que la chevelure de la femme, c'est la gloire. C'est en vertu de ça qu'on dit que la chevelure lui a été donnée comme voile. Quand les chérubins ont pris la gloire, ils sont partis. On est venu détruire les temples. Écoutez ce que le Seigneur dit. Dans la bouche de Jérémie, il est en train de se lamenter. Il est en train de se lamenter. Jérémie chapitre 1. Et lamentation de Jérémie chapitre 1. Lamentation de Jérémie chapitre 1. J'ai dit le verset 7. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Lamentation chapitre 1. Le verset 7. Au jour de sa détresse et de sa misère, Jérusalem s'est souvenu de tous les biens dès longtemps son partage. Quand son peuple est tombé, sans secours, sous la main de l'oppresseur. Quand Jérémie écrit ceci, c'était déjà après la troisième déportation, on a détruit les temples. La peur est partie. Lui est resté dans les pays avec les pauvres du pays. Et il commence à prophétiser, à se plaindre de ce qui est arrivé. Mais il veut parler de la situation qui est là. Mais il parle de ça dans un langage prophétique. Il dit Jérusalem a multiplié ses péchés. C'est pourquoi elle est un objet d'aversion. Tous ceux qui l'honoraient la méprisent. En voyant sa nudité, elle-même soupire. Et elle tourne la face. Soupir, c'est-à-dire elle souffre dans son cœur. Et elle tourne la face de honte. Parce que tout le monde voit sa nudité. Pourquoi Jérémie a dit ça? Parce que Jérémie avait déjà pris la gloire qui était un voile, un vêtement pour la femme. Un voile comme couvrir la tête pour couvrir les cheveux. Mais il y a aussi voile pour couvrir la nudité. Les voiles dont on parle au verset 15 là-bas et 1 Corinthiens 11, c'est pas le voile de la tête. C'est le voile dans le sens du vêtement de couvrir la nudité. On compare aussi la chevelure à ça. Parce que les peuples tels que nous sommes là, si nous nous votons seulement dans la vie du péché, dans les inimitiés, dans les impudicités, dans les adultères, dans les cupidités, même les escroqueries, on sera nus, dépourvus de la gloire.
Il y a la gloire de Dieu avec nous. Et c'est cette gloire de Dieu qui couvre l'église. Souvenez-vous de la femme d'Apocalypse 12. Même pas en arrivant tout près du soleil, tu seras calciné. Mais cette femme-là a fait pour vêtement le soleil. C'est quelle femme? Pour montrer que c'est l'église de Dieu aujourd'hui. Qui est la couverte de la gloire de Dieu. Par la parole que nous avons. Amen. C'est ça le voile. Cela aussi est comparable à la chevelure. Lorsque nous venons, dans l'église, les femmes doivent se voiler la tête. Parce que c'est la parole de Dieu. Qu'on ne dise plus. Vous voyez la chevelure, c'est le voile. Et les mais réponds-lui. Le corps aussi, c'est le voile. Mais c'est le voile de l'esprit, de l'âme. Mais nous ne marchons pas nus pour autant. Dieu, il appelle aussi notre corps. Les vêtements, le voile. Au changement de corps. Lorsqu'on va porter le corps de gloire, dans les langages de Dieu, c'est comme si on te donne un autre vêtement. C'est ça, c'est ce que nous dit Apocalypse 3 dans l'église de sable. Il y a des gens qui ont gardé leurs vêtements blancs. Mais dans le futur, ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Les vêtements blancs aujourd'hui, la vie de Dieu. Mais les vêtements que nous aurons après l'enlèvement, là c'est le corps de gloire. C'est comme un autre vêtement. C'est comme Joseph. En sortant de la prison, il devait changer de vêtement. Il y a un vêtement et un vêtement. C'est pourquoi Paul est dit, nous allons revêtir notre domicile. Notre domicile. Il parle de ces vêtements-là comme toute une maison. Notre domicile. Parce que le corps ici aussi c'est une maison. Mais il dit au frère, seulement si aujourd'hui vous êtes trouvé vêtu. Il y a là-bas. Tu ne vas pas dire que la chevelure c'est le voile. C'est pourquoi on ne doit pas se couvrir la tête. Mais on marche aussi nu. Parce que le corps, c'est la voile de l'âme. Tu ne seras pas, tu auras honte. Respecte seulement le langage de Dieu. Respecte la volonté de Dieu. Respectez la volonté de Dieu. J'avais dit au début que les femmes ne se présentaient pas devant le Seigneur tête non voilée. Parce que depuis la création, le Seigneur lui avait donné la chevelure comme voile. Comme gloire. Comme gloire de l'homme. Alors, elle doit couvrir ça devant le Seigneur. Mais en sortant d'ici, parce que dans elle peut exposer sa chevelure, c'est sa gloire. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, le Seigneur lui-même appelle ta chevelure gloire. Comment tu vas ajouter encore les mèches, les plantes et toutes ces choses? C'est moquer de Dieu. C'est insensé. Comment toi tu vas appeler cette chevelure ici gloire? Attends, je vais t'aider. Je vais ajouter les choses. Je vais ajouter les germes, les mythes écoutés. Mettre ça à la main par-dessus. Tu n'as pas bien réfléchi. Oui, Dieu, créateur des cieux et de la terre. Il a dit que ta chevelure, c'est le voile. Mais comment toi tu veux ajouter?
voile. Il appelle la combomba pour son. Il a appelé sa gloire. Nous respectons Dieu quand même. Sinon il serait insensé. Insensé. Lui il a appelé sa gloire. Mais toi tu as une chose à gloire de Dieu. Ces choses-là sont diaboliques. Les femmes elles font des témoignages. Depuis que j'ai mis ces choses, c'est comme si je commence à habiter avec une femme avec moi. Elles font des témoignages. Moi j'ai déjà suivi des femmes. On ne doit pas seulement laisser ça à cause des témoignages de ces gens-là. Maintenant laisser ça à cause de la parole. Oh, ils avaient déjà fait connaître ça avant que ces femmes témoignent. Surtout les femmes des hommes de Dieu. Jésus qui en dit, c'est plus les mamans et les jeunes sœurs. Les femmes des hommes de Dieu, elles viennent toujours avec des mèches. Mais là, quand la sœur regarde comme ça, le pasteur lui-même nous enseigne ces choses. Sa femme avec elle, avec qui il est tous les jours à la maison, elle met ces choses-là. Moi, si on parle de la carte. Elle s'en dit ici. Elle s'en dit ici. Elle ne veut pas respecter la parole. À cause des femmes, des serviteurs de Dieu. Vous allez voir l'église d'un apôtre. Trop de désordre, je n'ai pas doute. Dans une église. Là, c'est l'analyse que nous avons faite. Cette église est sérieuse. Entrez seulement dans l'église et regardez comment est-ce que les soeurs se tiennent. Ça, c'est l'unité des mesures de la légèreté. Ou du sérieux. Amen. Parce que dans les maisons d'abord de ceux qui nous prêchent, il y a des hommes. C'est pourquoi un serviteur de Dieu, il doit vérifier les gens qui sont tout autour de lui. Il ne doit pas être avec quelqu'un qui combat ce qu'il prêche quand même. Les soeurs qui s'approchent toujours du pasteur, elle est toujours en mini-jupe. Toujours en mini-jupe. Non. Elle aime toujours parler. Les pasteurs toujours avec parler avec les femmes. Au cas ça moi la toujours avec des femmes. Des femmes mal habillées. Même pas si y a moi y a chaud. Il ne respecte même pas la parole que lui prêche. Donc c'est pas ça. Et puis il a l'aise. C'est la sœur qui porte la Bible pour lui. C'est la sœur qui lui ouvre la portière. Mais il ne lui reproche même pas. Toi tu fais honte à l'enseignement. Ne faut pas t'approcher de moi. Trop de légèreté. C'est ce qui a fini même les ministères aujourd'hui. Les hommes de Dieu sont des gens très. Voilà, hein, comme on dit. Ils n'ont plus de style qu'ils devaient vraiment avoir. On les voit toujours avec des gens qui combattent la parole. Non! Un homme de Dieu, c'est celui qui fait respecter la parole. Et la personne qui est auprès de toi doit savoir ceci. On peut manger avec toi. On peut s'entretenir. Mais attention, je change rapidement de face. Je suis très rapide pour faire sortir le pays. Je suis très rapide. Madame quand je vois quelque chose qui n'est pas la parole, je
des reproches. Il y a d'autres reproches qu'il faut faire sur les gens. Pour que les gens aient peur. Tu sais que la peur peut sauver aussi quelqu'un. Tu sais que la peur peut sauver aussi quelqu'un. La honte est là qu'on a fait éprouver devant les gens. Ça peut les sauver. On est ceux qui pêchent. Les anciens qui pêchent. Blâme-les devant tout le monde. Afin que les autres s'y éprouvent de la crainte. Là, les Saint-Esprit fonctionnent aussi avec la peur. La crainte. On blâme quelqu'un. Livre ma peur. Livre ma honte. Et cette peur-là s'épanouit jusqu'à tout le monde. C'est ça l'église de Dieu. Mais l'église de Dieu n'est pas seulement là pour blâmer les gens. Non. Mais le ministère a cette autorité-là. Paul avait dit que nous sommes aussi capables de punir toute désobéissance. Une sœur dans l'église, comme l'évangéliste avait dit. Une sœur, 6 ans, 15 ans, toujours avec des mèches. Elles ne sont plus des sœurs à avoir des mèches sur leur tête. Ce sont des choses qu'on ne leur sait pas. Le pasteur lui-même avait dit ici que les sœurs Odie étaient venues même avant les pasteurs dans l'évangile. Donc c'est une maman de dépouille dans ces choses. Donc elle doit être modèle pour toutes ses sœurs. Toutes les autres mamans qui viennent après. Parce que les autres doivent les sauver en les arrachant du feu. Cela ne va tourner qu'à ton salut. Cela ne va tourner qu'à ton salut. Ce sont des histoires de démons. Et Jézabel. Amen. On fait ça pour que Dieu puisse répugner les femmes. Vous pouvez plaire aux hommes. Dieu vous répugne. Il vous répugne, il te trouve, il te prend en aversion. Tu as mis toutes ces choses à Zébéna, en aversion. Parce qu'il n'aime pas ça. Vous devez vous dépouiller de ça. Comme nos jeunes sœurs qui sont ici. Et donc, c'est dire que juste dans ce que j'ai quitté, cette heure, je n'ai plus de toutes ces choses. Les sœurs qui prient dans les églises des messages des grands ne sont pas plus que vous. Mais vous allez les voir même dans leur défense. Elles viennent là très pudiques. Dans la défense d'une grande fête. Une grande fête. Une grande fête. Même son mari, dans son mariage. Elle est là. Tout calme. Elle ne s'inquiète même pas de nous autres. On va dire que tu n'es pas maquillée. Tu n'as pas mis ça. C'est vous qui vous gênez. Moïse avait dit ces choses, c'est votre vie. Avant de mourir, il a supplié les gens. Il dit, oh Israël, mettez ces choses en pratique. C'est votre vie. C'est votre vie. Je m'en vais. Mais ces choses que je laisse, c'est votre vie. Quand on veut décrire par exemple la sœur Dôme, la sœur Rachel, on veut parler d'elle. Et la fois qu'on dit la sœur Wana, là t'as gagné Wana. Quand on a dit la sœur Dôme, c'est notre inadresse. C'est votre vie. Tu as grandi comme ça, les gens te connaissent comme ça. Bah non, la famille, la maman, la sœur, la tour, la maman, tout était là.
connecté. Hein? Ah. Les oreilles non trouées. Il a eu la parcelle de ces filles-là. Toutes les filles ont leurs oreilles sont intactes. Ça devient toute une adresse. On te remarque comme ça, 30 ans. On a toujours des choses non trouées. On devait m'obliger. Et vous, vous êtes des pareilles femmes. Il en existait en Israël. Il en existait aussi dans l'église des apôtres. Et cette même église des apôtres, là aussi, elle en a. On a une fête. On prêche tel qu'on a prêché là. À la fin, nous venons nous tous les hommes de Dieu. Si on va tous prier, les frères et sœurs de l'église dans une fête. Et directement la sœur qui rêve, nous sommes là-bas avec une courte jupe. Venez aussi saluer les pasteurs. Je n'ai pas dit que la sœur qui rêve avait porté une courte jupe. Mais c'est ce que nous vivons souvent. Mais, tu te dis, la sœur qu'on a à l'église et celle qu'on a maintenant ici. C'est seulement la même sœur ou bien c'est deux sœurs distinctes? On souffre! Tu as même envie de la chasser. Qu'est-ce qui t'auprès de moi? Je vous prêche la voix du salut. Ce que je vous prêche ici, c'est la voix du salut. Que je vous lise l'écriture que j'avais promise. C'est dans l'offrande de jalousie dans Nombre, chapitre 5, et on va chuter. Lorsqu'on a mené la femme qu'on soupçonnait dans les terres devant le Seigneur, on dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël. Et tu leur diras: si une femme se détourne de son mari et lui devient infidèle, si un autre a commerce avec elle et que la chose soit cachée aux yeux de son mari, si elle s'est souillée en secret, sans qu'il y ait des témoins contre elle, et sans qu'elle ait été prise sur le fait, si le mari est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme, ou bien si il est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme, il s'est point suivi. On dit cet homme amènera sa femme au sacrificateur et apportera en offrande pour elle une dixième de fois de farine d'orge, et il y répandra point d'huile et n'y mettra point d'encens, car c'est une offrande de jalousie, une offrande une offrande de souvenirs qui rappelle une iniquité. Vraiment, le sacrificateur la fera approcher et la fera tenir debout devant l'Éternel. Le sacrificateur prendra de l'eau sainte dans un vase de terre. Il prendra de la poussière sur le sol du tabernacle et la mettra dans l'eau. Le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel. Il découvrira la tête de la femme. C'est là. Quand la femme se présente devant l'Éternel, on dit qu'il découvrira sa tête.
lui posera sur et il posera les mains sur l'offrande des jalousies. L'offrande des souvenirs, l'offrande des jalousies. Les sacrificateurs aura dans la main les eaux amères qui apportent la malédiction. Vous voyez ça? Quand la femme s'approche de l'Éternel, les sacrificateurs découvrent sa tête. Lesquels il était venu, pour montrer. Même dans l'ancienne alliance, les femmes ne se présentaient pas tête nue devant le Seigneur. Et même aujourd'hui, cela continue. Cette écriture a traversé les journées et est entrée dans Canaan. Parce que Canaan, c'est la grâce, l'évangile que nous avons. Les femmes doivent prier toujours tête couverte. Quand on parle du voile comme les cheveux, ce n'est pas par rapport au culte ou au rassemblement à l'honneur du Seigneur. Non. Là, quand il est en dehors du culte. Mais quand on dit que c'est un rassemblement, un temps où les gens se présentent devant Dieu, même dans ta prière à la maison, tu vas mettre le voile. Mais naturellement, le Seigneur t'a donné cette chevelure comme gloire, voile aussi. Que tu ne sois pas totalement rasé, ce sera une honte pour toi. Remercie le Seigneur, rends-lui grâce pour l'enseignement de ce soir. Le Dieu véritable et la vie éternelle. Prions au nom de Jésus-Christ. Le véritable enseignant Dieu. C'est toi qui nous enseignes, ô Dieu. Béni soit ton nom, le Dieu de grâce et de miséricorde. Béni soit le Dieu, Seigneur. Nous avons écouté ta parole et nous disons amen à cela. Ô Jésus-Christ. De quelle manière nous devons paraître devant les seigneurs, hommes ou femmes. Nous disons selon l'Inobawanda, merci Jésus, merci Seigneur, parce que vous bénissez sur le côté de nos salaires et sur le d'ailleurs. Ça bien, mon Dieu, ça bien. Nous allons dans la salle, merci de monter dans la salle, ça bien, mon Dieu. Il y a un salle, il y a un salle du Seigneur. Il y a un loup dans la salle, c'est un salle. Merci, ô Dieu, Seigneur, ô Jésus, pour la parole, Seigneur, de ce soir. Toi qui nous as parlé, ô Dieu, Seigneur, que ton nom soit béni. Prie le Seigneur, appelle Salé Makas, Yako, ton Salé Lomaru, Yako, quand tu sais un bon amour, mon Inayo, Samia Sundayo, Samia, Samia Pesso, mon Dieu, mon amour, Seigneur, ton Salé Lomaru, sans effort, ton Salé Lomaru, mon Dieu. Amen. Amen.
Amen. Tu m'étais les connaissances de son amour pour la Dieu le maki que ceux qui questionnent Zali, Oye Banako, toute la mission à l'autre Zali, Église Yamiano, il y a ma question, réponse. Ceux qui m'ont tourné Zali pour douter de Okomi, ou Bessi, n'a portier, portier à Okomi, c'est la Nobiso. Et tu peux ma pour répondre à la question par la grâce de Dieu. Ceux qui t'ont aimé, t'ont répondu. N'angolou moke, on zambé a tse kati na biso. Amen. Ceux qui peut t'ont aimé, t'ont sali le coup la Moïse. N'a que de koutou nan zambé. Amen. T'ont besoin kanzate à pour répondre na audace. Batou ni biso moutou na boui. Cher docteur, moutou na langaye ezali boui. Ceux qui nous sentent. Akei na lingomba oyo botosi ya makambo oyo jalite. Nandi malosambo wana lokola ya biso. Tolobia mo awati. Tolobia mo anamate. Ba eglise o bazali ko respecte ba biloko wana te. Bazali be eglise ya biso te. Eza losambo yo ke de kusambe la na bango te. Amen. Eglise ya biso ezali eglise ya boye ezali ko respecter makambo ya batuma batia. Ezali ko boya ba kusangani moko otu ya makambo ezali lo banzambe te. Amen. Alobi pe boye. Masambo oyo botosi ya makambo oyo ezali te. Tondi mayango lokola masambo na biso. Tupi batei na bango. Tondi mape bango lokola batei na biso. Batei na biso ezali batei o bazali kote ya sene dote. Motei ya sene doktrina te akande makambo biso biso te. Na lobaki dimanche boye. Le frère Paul ayebisa ba Philippien. Botala batei na bino olanda bango. Oyo bozali komona kotambola na babilembo oyo bomoni epa na biso. Donc otali Paul. Na sima Paul motei na yo pe na mosima motei na yo yo bozo tambola nzela moko apotre Paul motei na yo na sima ozo verifikaka motei na yo soka longwe na nzela apotre Paul soka longwe na nzela apotre Paul yo kolanda ye te c'est ça la parole de Dieu tolinga ça la compromis te po ete liteya oyo lobiko ezali nde na kati ya liloba ya nzambe na kati ya mechose conforme ya sainte doctrine. C'est comme que dans ma complaisance, on a tout ça de l'autre côté. Ton équipe, on a l'idée, après l'application, l'idée à l'église de mission. Amen. Zambé à Pambola, mon corps à mon corps. Zambé à Pambola, mon mic. Nous allons dans le canet.